parti pour la première partie du live du samedi. On est sur Chapèze 2. Et on va continuer. Alors dans la semaine, hein, le dernier coup qu'on a joué c'était lundi. Dans la semaine, j'ai fait quelques bricoles. Je me suis complété les missions. J'ai refait des missions, j'ai pas trop touché au palier. On voit que c'est bloqué là, hein, le palier. Donc on a fini de délivrer ça. Il attend la cinquième pièce, ça j'y ai pas touché. Au niveau des missions, eh ben, je m'en suis recréé deux. Dans celui-là, on la faisait déjà, donc je l'ai complété, j'étais chercher du verre. Là, il faut qu'on fasse celle-là, et celle-là, c'est bon, c'est parti, 600. Et puis là, j'ai fait la 14, connecteur appairé. Donc normalement, je devais plus être très loin. J'ai pas joué beaucoup, hein. J'ai joué deux petites heures. Donc là, on fait la forme qui va au-dessus. Ouais, j'aime bien jouer avec les trucs. Et là, on faisait la forme du dessous. Donc maintenant, on colle la forme. Alors, par contre, elle n'est pas collée au bon endroit. Hein. C'est clair qu'elle n'est pas collée au bon endroit. Elle devrait être au-dessus. Le carré devrait être au-dessus du carré coupé. Et le carré coupé est en bas, là. Donc la forme n'est pas bonne. Et on en produit 16. Et de l'autre côté, on en produit tellement peu que... Bah, il dit rien. Bon, je pense qu'on va faire le changement là. Donc là, on est sur du 120. Le tournicotis, c'est du 60. Donc systématiquement, il faut doubler. Pour dire de garder le même rythme. Même si là, c'est pas 120 de toute façon. Hein. On est d'accord que... on a un petit problème. Alors, les câbles. L'objectif, hein, c'est de monter assez haut en câble pour avoir acheté tous les trucs. Ah, là, on en fait deux, là. Ben, non. Bon, le truc qui pêche, c'est l'arrivée du verre qui est trop faible. Mais du coup, vu qu'on fait les bonnes... Alors, on charge. On charge au niveau 3. Bon là, ça c'est tout bas, c'est tout pas bon. Ah voilà, et là c'est bon. Donc maintenant on y touche plus. Donc là il y a un chouchou qui vient. Alors j'ai débloqué le chouchou bleu. Le chouchou bleu il vient là. Il vient se récupérer là. Il descend. Il descend là. Hop. Et il fait, donc comme il est en niveau 3, il viendra décharger ici. Et donc là, j'ai rajouté un déchargement triple au-dessus des autres. Oh oh. Et ça pourrait être réutilisé par la suite. Pour d'autres formes. Oh, voilà. Ah, c'est toujours pas du bon qui circule là. Ah non, c'est autre chose ça. Non, non, le bleu il est là-haut. Ah! Oh, ça c'est pas la bonne pièce. Oh vache. Eh disons En plus il est vide. Pourtant c'est le train bleu. Ah ouais mais il faut qu'il soit plein là-haut. Ouais il faut qu'il soit plein là-haut bien sûr. Attends. Le train bleu il est là. Hop. Bon donc pour être efficace il faudrait en fournir un peu plus ici. Et pourquoi ça coince Parce qu'on en peint pas assez. J'ai essayé de faire un truc en quinconce. Alors les carrés que j'ai en trop, je les jette, mais oui, on aurait pu les utiliser pour un autre truc, hein. Le truc c'est que je veux un carré et trois quarts de cercle. Ici je jette un quart de cercle, ici je jette un carré. Donc là éventuellement ça pourrait être utile mais
Salut, Ulysse. C'est pas évident, là par exemple. Bon, ben, du rond, on pourrait en peindre aisément plus. Le truc, c'est que. Comment on peut agencer ces bazars? Pour en mettre plus. Par exemple, là, j'en mets un autre ici. Mettons que je voudrais mettre une troisième ligne. Puisque je vais avoir. J'ai un carré, un rond. Je veux un autre rond, je veux une troisième ligne. Ah, je peux faire comme ça. Ouais, on peut faire comme ça. Donc là, je vais piquer du tuyau ici. Je déchins, je l'accroche l'eau. Et ici, tac. Ah! Bon, ben. On va se décrocher ici. Hop. Alors. Il faut les orienter. Alors là, ils sont orientés comment? Le carré, il est dans le coin en haut à droite. Donc le carré, il est pas bien. En haut à droite, il faut le tourner comme ça. Scrotch. Ok. Le deuxième rond, ici, et celui-là, ici. Donc on assemble. Hop. Ah non, ça va pas aller. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Celui-là, il va à l'endroit du carré, alors qu'il devrait être ici. Voilà, c'est bien. Et voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il en faudra un peu plus, hein. On est d'accord. Eh ben, on va le ramener là. Salut, Jiwan. Je dis bonjour, Obis. Bon, là, il nous en faudrait plus. Hein? Il nous en faudrait plus, là, les gars. Alors, est-ce que il me faudrait surtout du rond? Mais bon, sur cette pièce-là, j'ai qu'un rond, hein. Il me faudrait beaucoup plus de ronds. Alors, comment on peut faire du rond? Alors, on va faire de la découpe sans garder. Donc là, c'est raté. On n'a pas gardé le rond. Donc le rond, il faut le basculer 180 degrés. C'est bon. Voilà, c'est bon, on a du rond. Donc tout ça, on peut le copier. Hop, donnez-moi du rond. Puis on ramène tout ça là. Quelque chose me dit que j'ai bloqué une machine là. Ah, ça va se débloquer. Combien on est? 20. Tout à l'heure on était à combien? À 15, hein, je crois.
Ah vache, c'est pas une bonne, c'est pas la bonne pièce. Pourquoi il sort de... pourquoi il sort du brin là? Ah! Bon là c'est bon, c'est la bonne pièce. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Et 36, 33, 28, 32. Moi je m'attendrais quelque chose de plus fiable, hein, plus stable. Ça m'a l'air assez erratique quand même. Hein. Bon allez, on va s'occuper de notre palier. Donc de l'horrible pièce. Alors avant on faisait l'étoile mi-violette, mi-rouge. Enfin, on faisait ça. Il va falloir la couper en deux. Il va falloir la couper en deux pour faire le dessous avec que ça. Et puis mélanger ça avec la pièce du dessus. Et puis après il y a un demi-cercle blanc. Alors le demi-cercle blanc on l'avait là en fait. Ce qu'il y a c'est qu'ici il faut juste virer un carré. Oh là 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 là. Ça va faire des modifs. Bon on la faisait où cette pièce? En attendant on livre toujours pas. On livre toujours pas ça. Et pourquoi? Ah parce qu'on a toujours pas rempli le truc là. Oh vache, on en fait 3 et 17. Mais c'est horrible. Il va falloir augmenter la production de verre, les gars. Hein. 24, c'est pas assez. Hein. Pourtant, j'occupe tout le truc. On va être obligé de faire une usine en dessous, hein. Faut quand même en fournir 2000. Bon après c'est une mission hein. C'est pas... ouais mais si on veut débloquer les câbles. Parce que là j'ai 12. J'ai 12 points d'expérience. Et je voudrais débloquer qu'est-ce que je voudrais débloquer? Les bâtiments simulés. Débloquer 10. Et la transmission globale. Ouais, ça devrait être utile, ça. Bon, ça, je peux déjà le débloquer. Les bâtiments simulés. Bon, bon, bon. Et après, il faudra débloquer ça, parce que il faudra pouvoir passer les signaux, d'envoyer les signaux du sans fil via différents canaux et de lire les formes d'opérateurs. Ah oui, et lire les formes d'opérateurs. Donc, il nous faut encore 8 points de recherche. Il nous faut encore 8 points de recherche. Et pas gagné, hein. Surtout que les paliers permettent pas de les faire, les points de recherche. Ça sert à rien les paliers. Alors revenons là. Qu'est-ce qui est rouge? Bon celui-là. Celui-là il est pas bon. Où est-ce qu'on le produit? Alors on le produit par là. Hop. Oh il est là. Ah oui, c'était ici. Ici, on produisait ces formes-là. Oh oh! Et ici, on produisait les formes... ah, ben on produisait ces formes-là. Ok. Et donc, alors... Alors. Ouais, j'ai tout bloqué pour pas que ça soit envoyé. C'est là que ça, il faudrait donc créer. Ça va être chelou. Parce que la croix, je la fais. Ah ouais. Comment on va s'organiser? La croix, je la fais ici et ici. Donc je pourrais. Ici, je pourrais après les découper en deux. Et envoyer le mauve d'un côté et le rouge de l'autre.
Et ici, il faudrait que j'ai... Est-ce que je peux garder les formes? Parce que si je fais la forme ici, deux carrés... Ah non, la forme violette, plus la forme blanche, on vient lui assembler la rouge. Je croque-croque, et on vient la poser sur les deux violettes. Donc là, il faudrait que mes usines, elles fournissent cette pièce avec les trois violets. Ou les trois magenta. Ouais, c'est ce me, c'est ma M, ça doit être magenta. Et les deux blanches. Donc, il faudrait que, ici, on ne fasse plus cette pièce-là, mais on fasse une pièce avec un seul rond. Donc, en haut à droite. C'est-à-dire que là, quand je fournis des ronds, ça ne devrait pas être. Je devrais envoyer qu'un seul rond. Et j'ai dit qu'il fallait que ça soit un rond en haut à droite. Alors si je le tourne, là je le tourne pour envoyer ça, mais si je le tourne pas, il coupe le truc du milieu. Voilà. Donc après, il suffit de lui faire une rotation et ça va être bon. Donc faut juste une rotation. Par contre, il faut une rotation dans l'autre sens. Ouais, ça va pas être bon. Il faut que ça soit en haut à droite. Donc c'est un 180 degrés qu'il faut faire. Ok. Donc là c'est bon. Ah, on fait des formes cheloues quand même. Ah, pourquoi j'ai ça là? Attends, c'est quoi ce beans? Pourquoi j'ai plus des ronds? J'avais des ronds, j'ai plus de ronds. Ah si, j'ai toujours les ronds. Qu'est-ce que c'est que ce bin, ça? Ah oui, je l'ai pas en troisième niveau, mais en troisième niveau, c'est plus des ronds. Ah, il y a un bins quelque part. Salut Oyo! Qu'est-ce que j'ai fait?
Les ronds, ils sont en troisième niveau. Eux, ils sont au premier niveau et deuxième niveau. Il devrait pas y avoir de rond au troisième niveau. Ah, il y a un bug. Il y a un bug là. Bon là, c'est pas clair le positionnement des trucs. Mais bon, le troisième niveau, il est bien normalement ici. Là, je suis bien au premier niveau, hein. Je revérifie tout. Deuxième niveau. Donc le deuxième niveau, c'est ce qui est à gauche. Troisième niveau. À droite. Bon bah ici c'était bien des ronds qui arrivaient. Si je purge, ah c'est plus des ronds. La mise à jour a mis le bazar. Il y a une mise à jour qui a mis le bazar ou ça c'est pas cool hein. Ça c'est pas cool du tout les gars. Bon, je sais qu'on est dans une un accès anticipé, on est en 0.0.8 RC3, mais ça va pas du tout hein. Après, j'ai l'impression d'avoir des ronds un peu partout. Ah non, les ronds sont toujours là. Donc visiblement, les ronds sont plus considérés comme des niveaux 3. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut le refaire et puis démonter et refaire? Il les remet bien au milieu. Eux, ils étaient envoyés au niveau 2, hein. Ah, c'est pas clair à quel étage ils étaient envoyés, eux. Attends, j'ai tout refaire. Premier étage. Salut Sébastien. Salut Philbur. Et là, on était bien sur le troisième.
Ah bah je suis. Et il y a surtout, je suis pas au deuxième. Ouais, je les ai extraits au deuxième. Ah, c'est quoi ce beans? Donc là, ça va bien être des ronds. C'était ici qu'on l'avait fait, hein. Ah, il faut que je repurge tout. Papa. Purge tout le truc. Il y a eu un truc, il a dû y avoir un truc qui a changé entre temps. Mais c'est bizarre. Bon, on refait la bonne pièce là. C'est bon. Ok. Alors, donc on va la peindre en violet. On va venir coller le blanc dessus. Mais alors attention, le blanc maintenant, il doit être. Il doit pas être de ce côté-là, le blanc. Il doit venir se coller. On doit la mettre la pièce en haut. Donc comme là il est en bas, il faut faire un 180 degrés. Faut purger tout le truc, ça va prendre un certain temps. Donc là, on fait les bonnes. Et donc dans cette pièce-là, il va falloir rajouter le petit bubu rouge ici. Ah, il y a des pièces qui sont pas bonnes là. Elle devrait avoir un quart de rond. Ouais, il y a un petit reliquat de pièces pas bonnes. Ah oui, parce qu'il y a encore. Il y a encore du brin qui traîne ici. Allez hop, tac, tac, tac. La purge à la main, c'est pas facile, hein. Ah mais attends, attends, je fais des bêtises là. C'est bon là. C'est pour sortir les carrés. Oh mais je fais n'importe quoi. Oh là 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 là. Ah, enfer et damnation. Bon, donc tout ça, on va l'amener à un truc intermédiaire là. Il va falloir faire un truc intermédiaire. Alors, soit on redécoupe cela. Donc, ça, on le coupe. Ça, on le coupe.
On se met deux plateformes. Là, on va découper ces bazars-là, on va les envoyer ici. Et on va les réassembler sur cela. Ça va être très très fort. Ça va être très 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 fort. Je le sens. Je le sens que ça va être très très fort. Bon, tac, 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 tac. Donc là, on envoie nos pièces. Bah, celles-là sont pas très bonnes. Donc on les vire. Hop. Les suivantes devraient être OK. Ouais, ça devrait être mieux. Voilà, ça va être des belles pièces qui vont arriver là. Ok. Donc les modifs qu'on a faites là, il faudrait les refaire là. Donc ici, tout ça on vire. Il faut rotationner de manière différente ces bazars là. C'est toutes les mêmes rotations. Et qu'est-ce qu'il y avait comme autre rotation qu'il fallait changer? Celle qui était ici. C'était des... C'était aussi des 180 degrés. Donc là, il faudrait purger le bazar. Donc, ici, si je me souviens bien, je vire ça. Hop. Ici. Et pour l'instant, on purge. Voilà. Donc, on amène ici nos pièces qu'on a dit qu'on allait les découper. On les envoie... Ah non, c'est des premiers étages. Donc là, on va rien recevoir si on fait ça. Voilà. Donc on les découpe en deux. Alors CD, elles arrivent à quel niveau? À quelle vitesse? On est sur du 120 divisé en 4. Alors c'est une division pourrie, hein, 50-25 comme d'hab. Hein. On aurait pu être plus efficace au niveau de la division. Ouais, on aurait pu mieux la répartir. En faisant une coupe ici pour se raccrocher là. Et ça on le fait comme ça. Voilà, comme ça on a du Ah, on peut le mettre que comme ça. Bon là on va avoir 60 du coup. On va balancer du 60 ici. Hein. Et on aura 60 là et 60 là. Bon là tout va être bloqué, mais c'est après ça passera. Donc ici on a dû. Sur les deux, on va avoir 30 sur chaque. 30 sur chaque et on veut les découper en deux. Et on fait. Alors. La découpe c'est à 30. Bon ben impeccable. On va faire une découpe comme ça, une découpe comme ça. Alors c'est pas comme ça qu'il fallait être découpé. Parce que il faut lui faire faire une rotation avant. Ah brin. Et la rotation ça se fait sur du 60. Donc c'est bon. Hop. Ah, sauf que là... Ah oui, si, on peut les remettre ensemble. Vu qu'on est loin d'être à 120.
Ah oui, mais on en accroche deux. Il y a deux usines qui viennent se ramifier, qui viennent se ramifier ici. Ah. Il aurait peut-être fallu dédoubler le truc alors. Bon, on peut, hein. Suffit de le faire deux fois. On le fait un coup ici, un coup ici. Et ce qu'on fait, c'est que ça, on vient l'accrocher là. Ça, oula. On vient le raccrocher là. Ça. Et on est coincé. Hop. Pourquoi il n'arrive pas celui-là? On l'a pété. Voilà, ça y est. Bon, du coup, on va envoyer. Ah, par contre, ça va pas du tout, ça, non? Va se passer. Ah oui, non, faut pas les. Ah, zut, zut! Faut pas les remettre ensemble. Ah, brin! Eh oui, parce qu'il y a un. Oui, non, faut pas les remettre ensemble. Tu peux pas juste supprimer les assembleurs rouge mauve. Si. Aussi. Ouais, ça serait. Ça, en fait, au lieu de les assembler, et les désassembler. Ouais. Oh, vous êtes pas joueur. Vous êtes pas joueur. Bon, bien vu, Sébastien. Donc, je pète cela. Donc, ce qu'on va faire, c'est en balancer. Ben là, on avait du 120. On le balance ici. Et là, normalement, on doit avoir du 120. Bon, actuellement ça bloque parce que. Oh. Ah oui, il y a ceux-là qui viennent mettre le bazar. Ah bah ceux-là on va les envoyer en 2 et 2. Alors attends, je détruis tout ça. L'autre je l'ai envoyé en 1 et 4, ceux-là je les ai envoyés en 2 et 3. On envoie du 120. Donc on a du 120 des deux côtés. Du coup, j'ai rien à faire ici. Faut juste que je les renvoie de l'autre côté. Vous me gâchez un peu le plaisir, hein, les gars. Moi, je voulais faire un truc super compliqué. Avec des spaghettis partout.
Bon, ici, par contre, on a les bonnes. Pop, pop, pop. On les envoie bien en 1, elles, ici. Ah non, on les envoie en 2 aussi. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi se compliquer la vie alors que elle est si simple? Donc il va falloir faire un premier assemblage avec du rouge. Et puis un deuxième. On a du 120 sur chaque. Ah ouais, pour l'instant. Après, donc le rouge doit venir le mettre. En plus, il y en a qui sont pas bons. Ok. Le rouge doit venir le mettre dans le petit trou. Donc en bas à droite. Impeccable. Impeccable en bas à droite. Bon, ben. Alors si c'est du 120, le problème des assembleurs, c'est que c'est du 20. Il en faut 6 par ligne? C'est pas possible ça. Bon, déjà on met 4. Donc sur cette ligne-là, et on va venir dire, bon ben là c'est ici. Donc on fait déjà une division par deux. Voilà. Ici, on va prendre ceux-là. Hop, on les monte et hop. Et donc ça, on va venir le poser. Dans la fenêtre assembleur, c'est précisé 6. Ah. Et donc il faut venir les poser. Bah à l'inverse du rouge, mais ça doit être en dessous. Ah bah c'est là. Alors par contre, les formes sont pas bonnes ici, hein. On est d'accord qu'elles sont pas bonnes les formes. Celles-là, elles sont à moitié bonnes. Attends, toutes celles qui arrivent là, elles sont pas bonnes. Allo Houston, on a un problème. Votre forme, vos formes, elles sont pas bonnes, les gars. Ouais, vous coupez pas bien. Vous coupez pas correctement le truc. Comment que ça se fait que de l'autre côté, ça marchait? Tout à l'heure, ça marchait, hein. Maintenant, ça marche plus. Ah oui, parce que ce qui va là, c'est du simple, mais ce qui va là, c'est du double. Ok. Ok. Non, non, ben on s'est trompé. On le refera plus. Oui, donc c'est dans l'autre sens qu'il faut le couper. Par contre, après, on est d'accord que il faut. Il faut les assembler sur la partie haute. Donc il faut leur faire faire un 180 degrés après coup.
La forme par rapport au truc, elle est couchée, hein. Elle est une rotation à 90 degrés. Donc il faut que là, ça soit en haut. Ok, d'accord. Donc, attends, je vais recopier ça. Parce qu'il faut venir le mettre ici. Et ici. Hop. Alors dans la fenêtre assembleur, tu me disais, c'est précisé. Ah ouais, 6. Le problème, c'est que donc 6, ça fait 24. J'aurais jamais la place d'en mettre 24. Ah si. Si, ça doit être faisable. Par contre, bon, les formes sont pas bonnes. Elles ne sont clairement pas bonnes. Sauf celle-là. Il y en avait quelques-unes qui étaient bonnes. Et après, c'est parti en vrille. Alors, donc une fois que c'est fait, ouais, mais elles sont pas bonnes, alors on va pas travailler avec des trucs pas bons. Voilà, c'est un principe pour le temps de monter notre machine. Parce que là, il faut refaire un réassemblage sur l'autre. Donc. On va se positionner ici et chaque ligne, on va la rebalancer dans le truc. Attends, ça doit être en dessous. Non, donc c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, il va falloir le monter. Donc ça vient alimenter ça. Ça, hop, ça monte comme ça. Est-ce qu'on peut se faire un petit copie? Hop. Et donc en sortie, on va avoir une pièce assez chelou. qui présentement correspond à rien. C'est toujours pas la pièce correcte qui arrive là. Non, il faut la mettre en haut la pièce. Ah, faut pas la retourner ici, une fois qu'elle est peinte. Malheureux. Ah bah ouais, mais si tu la tournes avant, tu la tournes après, tournicotis, tournicoton, ça peut pas t'aller. Ça peut pas aller, les gars. Ah, j'ai une mission terminée. Oh vache. Bon, celle-là, elle va me rapporter 12. Elle va pouvoir me débloquer tous les autres câblots. À nous la machine universelle, la mue. À nous la mue. Alors, en attendant, on n'a toujours pas fait notre pièce. Bon, ici elle commence à être bonne. Donc on va commencer à balancer du bien. De l'autre côté, on balance rien. Si, mais du coup ça doit pas être bon parce que il faut que la pièce soit en haut. Hop, et là, pareil. Voilà. Purger la machine en fait.
Ça y est, voilà les premières pièces bonnes. C'est ça, c'est celle-là avec une petite rotation. Bon, donc on va les délivrer. Tout ça, on va le délivrer. Donc on va tout amener là-bas. On a 4 canaux. Alors si on fait des séries de 6. Là maintenant c'est bon. Si on fait des séries de 6, il faudrait ramener. Tac, tac, tac. Hop. Et donc. Ouais, ici on serait plutôt comme ça. Hop. Et donc, on remet tout ça sur un. Et donc on s'attendait à les envoyer à quel niveau alors? Niveau 1? Ouais, c'est du niveau 1. Ouais. Ok, faut tout envoyer en niveau 1. En faire 30 000. Salut Galatil. Alors on parle de mu ici, hein, pas de mam. Alors par contre, on n'est plus du tout à 120 là. On est à 15. Et pourquoi on est à 15? Parce qu'on fournit pas assez de blanc. On n'a jamais dû être à 120 sur celui-là. Hein. Sauf peut-être quand il y a fusion de tout. Ah oui, ok. D'accord. Ok, ouais, ok. Oh, hey, on se calme. Hein. Oh. Non mais, sans blague. Normalement, ça devrait augmenter un petit peu. On devrait être au moins à 45. Si on est à 45, on n'a pas besoin de 6 assembleurs. Hein. On va pouvoir rediminuer le quota de trucs. Hein. Ah, on est à 40 quand même. Oh, 50. 53. Normalement, il y a 3 machines qui arrivent. On devrait avoir 3 trucs. On oscille entre 44 et 53. On a fait une petite pointe à 55. Donc ça veut dire qu'il faut 3 assembleurs suffisent en fait. Bon. Du coup on va repasser sur 4. Hein. D'autant que là, cela il marche pas. Ah oui, parce qu'en bas, d'accord, ça n'a pas été délivré. Ok, c'est pas grave. Hein. On va repasser sur 4 de toute façon. Et celui-là, on viendra l'alimenter ici. Tac. Tac, tac. Et ici, ici comme ça. Voilà. On n'est pas là pour se faire du mal. Bonjour Beetle Joyce. Salut à toi. Alors, vu qu'on fait des...
Du coup, on aurait pu regrouper, hein. On n'était pas obligé de balancer sur les 4 parce que. Ah, 88 ah, ouais, non, c'était. Il a pas voulu nous donner de faux espoirs. Eh, je suis à 60 là. Pourquoi ça bouchonne sur celui-là? Ok. À cause de ça. Et donc pour les 4 autres, on va utiliser les deux autres. Alors lui, il va falloir l'extraire et puis le faire repasser par... Il faut le faire repasser en dessous, alors. Ça va être chaud patate. On va le faire passer au-dessus. Et puis, on le ramène ici. Et on le fait passer. Comme ça. Donc là... Bah on va recopier toute la truc en fait. Ouais. Sauf que ça, on l'a pas bien sûr. Et ici, ça marche pas. Ah oui, là il faut que j'amène les rouges. Donc d'ici. Voilà. Et donc là, ça on sort comme ça. Non, non, non. Hop, hop, elevator. Hop. Donc on en a déjà délivré 215. Bon, on est à 69. 64, 68. Oh, 69. Ah, ça bloque, ça bouchonne un petit peu. Ah oui, mais parce que c'est pas encore arrivé complètement. Dès que ça sera en régime de truc, ça devrait aller plus vite. Alors, Beetlejuice, quel est ce jeu? C'est Chapez version 2. Tu te souviens de Chapez? C'était... Là c'est un petit peu en 3D, c'est-à-dire qu'il y a 3 étages. Il y a 3... On peut monter les... la découpe, la mise en place des formes, les assemblages sur 3 étages. Et c'est sur des plateformes. On n'est plus en illimité au niveau du terrain, il faut être sur des plateformes. Sinon c'est pareil que Chapez, hein. C'est le même principe. C'est complètement le même principe. Mais ces petites différences font que ça change. C'est pas libéré parce que c'est pas délivré. T'as trop regardé. Brûle le DVD. Brûle le DVD de la petite. J'allais dire de la petite sirène. Non, c'est pas la petite sirène. Enfin, c'est la petite sirène sous la banquise. Brûle le DVD de la petite sirène sous la banquise. Bon. On arrive. Là, c'est marrant. On fait du 80. On fait du 80 sur celui-là, mais on fait du 40 sur le deuxième. Bon, il faut dire que c'est normal. Là, on fait pas une découpe. On aurait pu... Si on veut que ça soit plus 60-60, là, on peut le diviser et venir arroser ici. Parce que là, c'est à peine... C'est à peine arrosé, hein.
Ah, je vois qu'il y en a qui suivent. Merci. Merci, merci. Bon, donc, eh ben, on va laisser courir, hein. De toute façon, ça nous intéresse pas, ça apporte pas de prime. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la prime. Bon, il nous faut les 12 points, là. Il nous faut les 12 points pour... Et donc, il faut que je rajoute une forme verte à ce truc-là. Alors ça, je crois que je le fais de l'autre côté. J'ai dû le faire ici. C'est la forme qu'on faisait là. Non, ça n'a rien à voir. Ah, c'est la forme qu'on fait là. Ouais, mais on n'a pas de vert ici. Attends, non, on fait du rouge ici. On fait de la forme rouge. Tout ça pour faire des formes rouges? C'est bizarre. C'est pas là alors. Là, on fait de la forme verte. Et on renvoie de la forme rouge. Ok. Bon, je suis complètement paumé. Ah bah ça doit être là. Ah bah non. Non, ça c'est la mission 1. Bah où elle est la mission 2? Ça, je dois en avoir besoin pour les opérateurs. Et je suis en top 39% monde. Top 39% monde. Ouais, c'est pour cette pièce-là. Ok. Mais il y a des trucs, on va plus savoir pourquoi on les fait. Hein. Arrivé à un moment, ça va être un bazar innommable. Donc, je ne sais plus où sont faites les pièces. Alors, quand on est perdu, on fait une pause technique. Et on revient tout de suite. Ah. Alors, Wafra n'a temps plan. Non, il faut repartir de la base. Il faut voir d'où on envoie les trucs. Voilà, ça c'est pas bon. Elle est plus bonne. Donc c'est ici. Alors, il faut suivre la piste. Il faut suivre la piste. On est au troisième étage. On arrive là. Ouh. Ah, on est là. Ah ben c'est ici. Ah ben tiens, ça tombe bien. Parce que je vois que... Il y a du vert que j'ai supprimé. Donc il va falloir rajouter une pièce verte. Ah ouais, mais il faut rajouter du gris et du vert. Hein, on va pas avoir assez de place, les gars. Pourtant, on a deux plateformes. Ça sert à quoi? Ah ben là, il faudrait rajouter du petit carré vert. Comment on va faire ça? Bon, du verre, il y en a. Il est là. Donc on peut s'amuser à peindre une quatrième pièce en verte. Et on vient l'assembler. No problemo. Regardez-moi ça. On dirait que ça a été fait exprès.
Tu fais ça. Regardez-moi cette modularité. Je suis assez épaté de ma modularité modulaire. Hop, voilà. Bon, maintenant, ça, faut du verre. Eh ben, le verre, c'est pas compliqué. Il est là. Hop, on le récupère. Ouh, du verre. On va le monter au deuxième étage. Pop. Pop, 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 pop. Et puis, on fait... Pop, pop. Pierre des chiens. Et hop. Ah, on est redescendu trop vite. Ok. Ok, ok. Ouais, non, pourquoi pas. Hop, je remonte. Toc, toc, genre des chiens. Hop, et on peint en vert. Par contre, au niveau rotationnellement, il faudrait qu'elle soit de l'autre côté. 180 degrés. Il faut un petit 180. Voilà, hop. Et hop, ça roule. Ploup. Pourquoi ça sort pas ici? Ah oui, parce qu'il a pas fait la coupure correcte. Et voilà, on fait la bonne pièce. Nickel chrome. Bon, il va falloir faire pareil là, sauf que on n'a pas de place. Alors est-ce qu'on pourrait... On a de la place ici. Alors est-ce que c'est parce que... Parce que là, mon usine, elle serait transposable ici, non? Ah non, on découpe en petits cubes, on peint les petits cubes, on peint les gros cubes. On les découpe, on les réassemble. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Il faudrait 4 lignes, une bleue, une rouge, une verte et une qui est pas peinte. Le problème c'est qu'en le faisant sur 4... On prend beaucoup de place. Parce que là j'ai pas la place pour faire... Pour peindre en vert ici. Ah si, en me casant ici. Mais j'aurais pas la place pour faire le rond. Ah si, en me casant ici. il faudrait refaire l'assemblage autrement. Bon, on va arrêter d'envoyer des pièces de brin. Hein. Parce qu'elles sont pas bonnes de toute façon. Tiens, c'est marrant. Ah si, c'est bon. Mais il manque celles en dessous. Celles en dessous sont pas bonnes. On peut pas le faire sur 4 étages. Je te rappelle qu'on a que 3 étages, Monsieur Filbur. Attends, je vais copier ça, là. Est-ce que je pourrais pas le caser ici? Si, on peut. Donc là... Il suffit que je récupère des petits carrés. Pop, pop, pop. Loup. Oh, ça va pas passer. Ah, brin de brin. C'est pas grave. Alors, attends. Comment on va faire? Non, non. Vous inquiétez pas. On va y arriver. C'est quoi ce merdier de bazar, là? Oh, brin de brin. On va le passer au troisième étage. Ça m'arrange pas forcément. Quoique. Du coup, je vais monter le bleu au deuxième étage. Et comme ça, le but, c'est de faire passer l'autre en dessous. Hein. Je pourrais pas le raccorder ici? Ah non, parce que le bleu, il est au troisième aussi. Oh, brin! Vous avez fait fort, les gars. Donc ça, je peux le casser. Et ça, hop, hop, hop. Hop,
Hop. Et pour alimenter le verre, eh ben on va se brancher ici. Hop, hop, hop. On redéchaîne. Et hop, on se branche sur la cuve verte. Et hop, on fait du petit carré vert. Ça, c'est quoi? Pourquoi on le remonte? Est-ce que ça sert à quelque chose de le remonter? Pour l'instant, non. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est le ramener ici. Pour venir l'assembler, ce qu'on pourrait faire, c'est l'assembler au bleu. Et renvoyer le résultat de l'assemblage au bleu, ici. Lui, il faut le mettre où? Il faut le mettre en haut à gauche. Est-ce qu'il y a un trou en haut à gauche? Le verre doit être en haut à gauche. Donc lui, il faut lui faire faire une rotation. Une rotation rotationnelle de l'autre... je dirais de l'autre côté. En haut à gauche. En haut à gauche. Donc... on met de l'assembleur ici. On ramène le bleu là. Plop, plop. Ah, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ok, ok. Bon, ben, on va le mettre plus loin. C'est pas grave. Hein. on va le ramener comme ça. Hein. On a le droit, c'est légal. Qui a dit qu'on avait signé un contrat comme quoi on devait pas faire de trucs en spaghetti? Moi j'ai rien lu. Bon, on réassemble tout le truc, on monte, on vient là-haut, hop, on tire par ici, on tire par là, tout le monde est content. Ah, ça permet de faire du 33-33-33 ça. Et du coup, là, on revient ici, pop pop, on remonte. Et hop, on vient se greffer dans le truc ici. On va l'assembler avec le rouge. Après, on l'assemble avec le gris. Tout le monde est content. Alors, attends, pour que ça marche, on va mettre un... on va mettre une poubelle. Pour débloquer le truc ici. Voilà. Hop, hop, hop. Allez. Et c'est encore un militaire qui gagne une tringle à rideau. Voilà, les premiers Rubik's Cube arrivent. On ne pourrait pas faire de Rubik's Cube avec ce truc-là. Alors, salut Christo. Bon, maintenant, on fait pareil pour le vert, pour le rond. On fait pareil pour le rond. Et donc, on a dit qu'on va essayer de se caser dans le coin par là. D'autant qu'on a du vert ici. On a le vert qui arrive. Alors, l'assembleur, est-ce qu'on pourrait pas le descendre? Si, on peut le descendre, l'assembleur. Parce que ça, tout ça, ça sert à rien, là. Hop. Oh là. Quoi qu'ait fait. Quoi que j'ai fait. On peut le descendre de 1. Couper. Coller. Oh. Alors, il faut le raccrocher les wagons. Tac. Et tac. Alors on a les premiers carrés verts, ils sont pas encore arrivés. Ah, ils arrivent. Ils arrivent douchette main. Par contre, il y en a encore plein qui ont pas de verre. Ah, j'ai cassé un truc. Qu'est-ce que j'ai cassé là? Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils sont déséquilibrés, ils marchent plus. Ils sont pas sympathiques. Ils sont pas sympathicaux.
Allez, refaites-moi du carré là. Hop, allez, ça va se débloquer. Ah non, ça s'est rebloqué. Pourquoi il se bloque celui-là? Ah, il n'y a pas de sortie. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Ça va marcher beaucoup mieux comme ça. Ça va marcher beaucoup mieux comme ça. Bon. Donc là, il faut que j'essaye. Ce truc-là, on peut le faire sortir comme ça. Et le ramener ici. Donc j'aurai plein de place libre ici. Il manque juste le rond vert. Eh ben, on va le rajouter, le rond vert. Par contre, pour l'assembler, ça va être plus Siux. Attends, est-ce qu'il est dans le bon sens le truc? Le gris, il est entre le bleu et le rouge. Ouais, si c'est bon. Il a juste subi une rotation, il est juste à 180 degrés. Comme ça. Non, c'est bon. Oui, ça va être bon. Donc faut que je laisse le... Parce que je m'étais dit je vais repeindre le vert là, mais non, faut pas. Donc il faut bien que je repeigne le vert ici. Donc il faut que j'ai une machine à maturlurer. Parce que là, en fait, ça, tout ça, on pourrait le remonter. On pourrait le remonter de 1. Hein. On va le mettre comme ça. Donc là. On va venir alimenter en verre ici. En verre et contre tout. Oh oh oh. On pourrait presque même le mettre de l'autre côté. Comme ça. Ce serait plus simple. Hop, hop. On vient ici. Pop, on déchire. Et hop, on alimente le truc. Donc là, on prend des trucs pour à découper. Tac, tac, tac. Et donc le verre, il faut le mettre en haut à droite. Donc ici, il est bien. Ici, il est pas bien. Ici, il est pas bien. Et donc, il faut une petite rotation. Comme ça. Et donc il faut venir l'assembler. Ah, faudrait venir l'assembler avec celui-là. Ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais le remonter ici. Pack. Donc là, on devrait pouvoir claquer un assembleur ici, 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 ici. Et donc là, on monte, hop, et on vient se mettre là. Donc là, on récupère le truc, et on vient se mettre là. Et ça devrait marcher, ça devrait marcher.
Pourquoi j'ai pas de rond? Ah, ça y est, le premier rond, il est là. Ça avance pas bien vite, hein. Le deuxième rond. Font du bruit les trucs. C'est mignon. Bon, pour l'instant la pièce est pas complète parce qu'il n'y a pas encore de rond qui arrive. Ah ça y est, en voilà une. La première complète, elle va passer là. Elle monte là, oui, oui. Elle va être expulsée. Poup. Pioup. Ta-da. Ta-da. Elle est où? Elle est là. C'est celle-là. Oui, elle est belle. Oh. Il en faut 2500, hein. Et c'est la première. Hop, elle est passée là. Elle est passée par ici. Elle repassera par là. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jusqu'à là, on était avec sur du rouge. 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 Et... Ok. Oui. Et on en a une. Une sur 2500. Celle-là est pas bonne. Celle-là est pas bonne. Celle-là va être bonne. Oui. Deux. Pas bonne. Pas bonne. Oh, brun. Pas bonne. Bonne. Oui. Trois. Oui. On va pas, rassurez-vous, on va pas compter les 2500 comme ça. Hein. V'là une quatrième. Oui. Bon, on a un opérateur. Attention, on va passer au niveau d'opérateur 14. On est top 38% monde. Oh là 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 là. C'est-à-dire sur 100 joueurs, on est 38e. Sur 1000 joueurs, on est 138e. Non, on est 380e. Sur 10 000 joueurs, on est 3800e. Bon, du coup, on a gagné, on a 10 points. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose pour 10 points? Oui, on peut avoir la transmission globale. Donc a priori on a toutes les améliorations pour les câbles. Alors on peut encore avoir des trains blancs. C'est quoi les wagons intercalaires? Ah oui, la livraison vortex par train, il faut la débloquer, elle coûte 60. On peut avoir des wagons de fluide et on peut avoir les montagnes russes. N'importe quoi, n'importe quoi. Bon, les fondations, on peut avoir des fondations plus costauds, mais elles coûtent cher aussi. En L, c'est 6, remarque. Hein. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'on a gagné. Donc là, on est tout bon. Mission 1, mission 2, et puis palier 7. On est tout bon, on livre. Tout est dans le vert. Tout est dans le vert. Alors, ou dans le violet, mais le violet, c'est les opérateurs. Opérateur, opérateur, opérateur. Et celle-là, 1800 sur 2000, on dirait qu'on n'en arrive plus. Hein. Je voudrais pas aller pessimiste, mais...
Ouais, faut le temps qu'il charge le train, quoi. Ouais, on en produit pas beaucoup, 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 hein. On est à 24 d'un côté, 3 de l'autre. Ah oui, c'est les verres, les fameux verres qui sont faits au compte-gouttes. Bon, on s'en moque un petit peu. On s'en moque un petit peu de tout ça. Donc, revenons à nos moutons. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans les câbles? Au niveau des câbles, on a donc les transmetteurs, récepteurs, le transmetteur global. Et donc le récepteur global. Au niveau affichage, ah, on a toujours rien. Au niveau générateur de signaux. Ah non, on les avait, mais c'est qu'il n'y a pas, il y a qu'un seul truc. Alors attendez, si on prend l'affichage. Ah oui, alors il faut un lecteur de convoyeur. Et on peut le coupler à un affichage. Oh, ok, bon ça on l'avait déjà. Et là vous allez me dire, bah, ça sert à rien ton truc. Bah si, parce que tu dois pouvoir générateur de signaux. Donc on l'avait déjà. Et si on clique dessus, on doit pouvoir configurer. On doit pouvoir lui indiquer du coup un QQQQ. QQQQ. Ah, ça va pas être bon. Attends. Bah si, c'est des tirets. Bon, on va le mettre en entier. Et si on veut un moitié uniforme, moitié blanc. Voilà, blanc blanc, gris gris. Alors ce qui est marrant, c'est que le QQ, QQ, il commence en bas à gauche, à droite maintenant. Avant, le numéro 1, c'était celui-là. 1, 2, 3, 4. Maintenant, c'est... Tiens, c'est étrange. Bah non, SMSM. SMSM. SR. Non, le 1 est toujours là. Ah, ça dépend de mon orientation. Ah oui, comme je suis comme ça, j'ai le premier qui est ici. Donc Q, Q, GV, GV. Et on va falloir faire gaffe, hein. Ah oui, parce que je regarde pas vers le nord là. Et comment je sais où je regarde? Ah, c'est en bas la boussole. Ok, là je regarde vers le nord. Donc quand je regarde vers le nord, c'est bon. Ouh, c'est sioux. Alors, générateur de signaux, c'est ça, mais on doit pouvoir générer aussi. On doit pouvoir générer aussi des vides. Conflit, un nombre, un fluide. On peut aussi générer du fluide. Color R. Ça, on n'avait pas ça dans l'autre. Ouh, joli! Et si on les avait aussi, les fluides? Ça devait pas être comme ça, par contre. Ok, Dac. Alors, au niveau contrôle des flots. Donc, il y a une filtreuse et une vanne. Donc ça peut permettre de sélectionner un petit peu ce qu'on veut. Le coût de la filtreuse et la vanne, c'est pour couper les tuyaux, je pense. Alors que la filtreuse, bah, ça balance d'un côté ou de l'autre. Le
le bouton. Activer, désactiver. Par contre, il faut forcément passer par là pour l'activer ou le désactiver. C'est pas hyper pratique, hein. Ce serait pas mal d'avoir une touche. Sur l'autre, on cliquait dessus et ça le faisait. Sur Chapez 1. Clic droit, ça le supprime. Donc c'est un peu embêtant. Au niveau des portes logiques, donc ça on les avait déjà. Et au niveau des bâtiments simulés, c'est là où on peut simulation de pivot, simulation de demi-destructeur, simulation d'assemblage, le désassemblage, peinture, générateur de cristaux. Simulation d'échangeur, simulation d'injecteur, et il y a un analyseur. Ok, ok. Et dans le générateur, je suppose qu'il y a la forme... Comment on peut avoir la forme à faire en cours, la forme de palier? Ah ouais, mais comme il y a plusieurs paliers, faut se la recopier en fait. Il faut se la recopier. Alors par contre, le coup de faire une machine universelle, c'est que... bon ben on analyse une forme, c'est très bien. Mais il va falloir après du coup, après sélectionner les différents morceaux qu'on veut. Clac, 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 clac. La différente peinture qu'on veut, donc les peindre, et ensuite les assembler. Alors, on peut faire ça sur des plateformes. On peut se faire ça sur des plateformes. Il faut juste que les plateformes après soient alimentées avec les différents types de formes qu'on veut. Et là, ça a commencé à être dur. Donc il faudrait trouver un coin où on a quasiment toutes les formes. Puis après y amener les peintures. On va se mettre, on va pas hésiter à se mettre assez loin. Là on a les ailes, les ronds, les trucs qu'on... C'est convexe ou concave? Concave. On a des carrés ici. Qu'est-ce qui va nous manquer? Si on a les carrés, les ronds, les ailes et les concaves... Ah non, c'est pas les ailes, c'est les pointes. Ah oui, on n'a plus les ailes de moulin. On avait les ailes de moulin dans le chapelet, ça a été remplacé par les concaves. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres formes? On a plus que 4 formes. Non, il y en a plus que 4. On a les cercles. C, les rectangles. Les W, c'est ceux-là, les concaves. Les étoiles, c'est S. SR. Qu'est-ce qu'on a comme autre forme? ?15h38.
Non, on a que 4 formes, je pense, hein. Ce qu'on peut se faire, c'est une première machine. Histoire de se faire un petit peu la main sur les trucs. Première machine toute bête, elle fait juste une pièce d'un niveau. Machine universelle, un niveau. Vous allez me dire fastoche? Ouais. Pas si fastoche que ça. Donc, on avait dit que... Si on se met dans ce coin-là... Ah oui, on n'aurait pas les W. Là, on a le W. Alors par contre, au niveau couleur, on avait un... Ah, on a rouge ici. Ouais, on pourrait se faire un premier exemple ici. Donc il nous faut des plateformes où on récupère chaque forme. On va se mettre comme ça. Et on prend deux plateformes parce qu'à chaque fois on va se faire des arrivées ici. Comme ça. Donc là on dit qu'on amène. Je sais pas moi. Les carrés. Là on va amener les W. Ouais, les W. Et alors soit on se dit on fait le découpage avant. Après, il y a deux options, soit on les livre sous forme 4 ou soit déjà sous petite, petite unité. Qu'est-ce qu'on a débloqué là? Ah brin. Oh non zut, va déjà falloir en faire une deuxième. Mais vous allez me dire après, ouais mais comment tu vas faire pour faire des pièces à 2 ou 3 niveaux? Bah il suffit de dupliquer ce qu'on va faire là X fois. Deuxième fois, une troisième fois, et on assemble tout à la fin. C'est pas compliqué, une mu. Une mu mam. Une mu man. Une mu mam. Donc, le plus simple, si on veut pas s'embêter, c'est de livrer des petits morceaux. Donc là, eh ben ça va être très simple, on va le découper en deux. Alors si on découpe ici, il faut laisser de la place pour que ça dégage, donc là il faut le découper ici. Et il faut d'abord lui faire faire une petite rotation avant, puisque là on ne découpe rien du tout. Donc comme la rotation il en faut deux par truc, on va faire donc ici, ici, hop, et après, ah ouais du coup après on découpe en deux aussi, donc faut faire ici et ici, mais là on va redécouper en deux ici, ouais mais après on les remarie. Tac tac. Oui, là on peut le faire ici.
Celui qui sortira ici, on le ramènera là. Hop. Donc après, petite rotation. Mettons qu'on les vole tous en haut à droite. Première position. Donc là, il faut l'inverser. Celui-là est bien, celui-là on l'inverse. Les autres, faudra voir. Et on refusionne tout. Et on rebalance ici. Alors normalement. Ah oui, mais lui. Ah oui, il en faudrait 4. Oui, mais 30. Mais on est déjà à 60. Donc ça devrait être bon. Et lui, il est à 60. Donc on est à 120 en entrée. On devrait être en 120 en sortie. Je pense. Alors, je suis bien à 120 en sortie, mais je suis à 60 en entrée. Bon, ce qui compte, c'est la sortie. Alors, si on veut muscler le truc, hein, mais c'est pas obligé. Doit pouvoir. Ah, mais j'aurais pu le flipper. Ah oui, j'oublie qu'elle flippe. Donc là, je sélectionne. Ah, faudrait les sortir ici. Ah oui, sauf que, attends, ils vont pas être bons là au niveau rotation. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. Attends. Tac. Lui, j'aurais dû le laisser là. On les veut en haut à droite. Ah, ben ils vont être tous dans le même sens. Ça va être impeccable ça. Donc lui, on le remet ensemble. Lui, on le remet ensemble. Donc on les remet ensemble. Et on amène tout ça. Ici. Pardon, madame. Donc, on va recopier ça. Copie. On flip. Et hop. On génère des petits carrés en haut à droite. Pop, 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 pop. Voilà. Alors ça, on va pas s'embêter. On va le copier. Parce qu'on va faire la même chose. Un petit peu partout. Bah ici. Ah ici, on veut. Après, c'est un peu plus compliqué, on veut le séparer en deux. Hop. Est-ce qu'une plateforme tout seul va suffire pour faire la séparation en deux? Non, en plus on en a deux. Comment on avait prévu le coup? Ah non, les ronds, on les extraira sur ceux-là parce qu'il y en a deux. Ouais, on en aura plus. Une seule aurait suffi là. Je pense parce qu'on va couper. On va couper le truc.
Donc on va considérer qu'on a... Ça va être le même principe. Même principe qu'ici, sauf que... Vous voyez ce que je veux dire? Donc je copie ça. On va copier ça. Et... Il y a plus de possibilités. Ouais, je crois que le flip n'existait pas. On pouvait pas tourner. C'était, il y avait des choses plus compliquées au niveau du flip. Hein. On va se positionner là parce qu'il va falloir faire des petites troncatures avant. Tout à l'heure, on s'attendait à avoir un rond déjà, un carré, un double carré. Comme ça. Et ben là, ce qu'on va, on va s'attendre à avoir cette pièce là. La partie gauche toute seule. On va virer le rond. Donc, quand on va réceptionner le bazar, on veut virer le rond. Donc, on va faire un. Alors, il en faut 3 par truc normalement. Mais il faudrait faire. Alors on enlève le bleu, la partie bleue, hein. Donc il faudrait faire une rotation ouais, dans ce sens là. Et après c'est bon. Donc après on va bien le rotationner. Schlack, schlack. Ah tiens, il a pas copié le truc là. Et normalement, alors on voulait des parties en haut à droite, on n'a pas des parties en haut à droite là les gars. Ça ne va pas du tout, cette affaire là. Donc on n'a aucune partie en haut à droite, nulle part. Oh c'est moche. Ça c'est moche hein. Alors attends. Ici, ici et l'autre c'est un 180. Alors, peut-être que si on faisait une rotation plus adéquate, ça serait mieux. Tu me diras, il va falloir faire une... Il faudrait faire une rotation... En fait, s'il était en l'air, s'il était dans l'autre sens, ça irait mieux. Donc, si on lui avait fait faire une 180 avant, je vais doubler le. Alors attends, parce que si on a une arrivée ici, tac, tac, tac. Ouais, en fait ici elle aurait... Pouh. Ici il faudrait la faire là. Comme ça, ici je viens comme ça. Ici je viendrai comme ça. Hop. Alors. Oui, là on est obligé. Ah non, on pourrait le. Non, non, on n'est pas obligé. Ah si si, on est obligé, on n'a pas de F, on enlève forcément cette cette face là. Ouais, donc on est obligé. Ok. Par contre, ce qui serait bien après, c'est de lui faire faire un 180 avant de rentrer dans ce bazar-là.
on va dire que c'est pareil. Hein. Par contre, là, je vais manquer de place. Vous savez quoi, on va les recopier. Hein. Quand c'est le bazar comme ça. Du passé, faisons table rase. C'est bon. Alors attends, ça. Hop. Et bah ici. Du coup, on balance tout. Hop. Donc après, on a une deuxième plateforme par ici. Donc là, on va mettre du double. Donc on extrait. Hop. Du coup, on va se faire une découpe. Alors, on est toujours en sens haut-bas. Là, on n'était pas dans le sens haut-bas. Hein. Donc, je pense que ça va être différent au niveau coupe, au niveau rotation, au niveau pré-rotation, pour le remettre dans le bon sens. Alors on va quand même couper. On va coller ça. Bon, on va aller jusque là. Donc ici on va en avoir un. Hop, ici et l'autre de l'autre côté. Alors mettons qu'ici on veuille les ronds. On veuille récupérer que les ronds. Petit patapon. Donc, ici on va garder. Ah bah non, il aurait pas fallu les rotationner alors du coup. Voilà, on garde que les ronds. Et après on les met. En haut à droite. Nickel. Bon ben là ça va être pareil, je pense pas de rotation.
Hop. Et donc. Pop. Et là-bas, pareil, sauf que il faut les carrés. Donc là, je pense qu'il faut faire une rotation. Ça va être les mêmes, mais avec une rotation à 180 degrés. Pour ne pas avoir. Pour les avoir dans l'autre sens. Donc rotation à 180 degrés. Tac, 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 tac. Hop. Pop. Plop. On garde les petites étoiles. On les rotationne, on redécoupe. Tchac, tchac. On remet dans le bon sens et on a bien les étoiles en position haute. Donc, tac, 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 tac. Et donc, on délivre. On va délivrer sur notre plateforme ici. Les carrés. Les ailes de moulin. Les ronds. Et les étoiles. Donc ici on va sélectionner la pièce qui va composer notre premier cadran. Si je fais un schéma. Hein. Je découpe la pièce en 4. Donc 1, 2, 3, 4. Pour chaque truc, il va falloir se demander quelle est la forme. Et quelle est la couleur. Donc si c'est la bonne forme, on va la chercher, on la peint et on la réassemblera après avec le 2, avec le 3 et avec le 4. Et s'il n'y a pas de pièce, bah, il faudra un système de bypass pour sauter les assemblages. Hein. Donc on fait une mue, c'est pour faire une mue machine universelle, une couche. Une muic, on fait une muic. Et il est 16h. Allez, encore 15 minutes et on partira au goûter. On partira au goûter et après on fera un petit peu de Titanic. Donc, là il va falloir analyser la forme. Donc je vais mettre une plateforme. On va mettre ça sur une plateforme. Et donc il va nous falloir un générateur. Un générateur de signaux. Pop. Alors quelle forme on veut? Bah mettons que lui il nous demande une nouvelle forme ici. Alors on a déjà les deux premières, il manque celle-là. Donc c'est là, CB, CB, WB, CB. C'est ce petit bout-là. Hop, je le copie. Et on va le mettre dans le générateur. Donc si on met un tuyau-câble, hop, et qu'on lui met l'affichage, hop, il va nous afficher la forme qu'on veut. Donc ce qu'il va falloir envoyer comme signal. Ici, on dit que là on va. Ah,
On va pas compresser dans un premier temps, hein. Peut-être. On essaiera de compacter après pour faire sur un minimum de place, histoire que ça qu'après quand on fasse des copies que ça soit pas immense, immense, immense. Mais donc là on va faire le cadran numéro 1. Là le cadran numéro 2, là le cadran. Donc là il va falloir sélectionner quel est le type de pièce. On a besoin. Donc est-ce qu'on laisse passer du carré? En fait à chaque fois on va reprendre les trois trucs, les quatre trucs, et on va les laisser passer ou pas. Donc il va falloir analyser la pièce, comment elle est. Donc c'est là où on va utiliser les bâtiments simulés. Et ce truc-là, on va le décomposer. Alors vu que c'est qu'une seule couche, on n'a pas besoin de désassembler. Si c'était un multicouche, il aurait fallu le désassembler. Je suppose que ça aurait permis de... Comment ça marche? Mais bon, on verra ça plus tard. Ah, attends. Il faut l'amener ici, voilà, paf. Et donc, il nous dit, alors souvent c'est la couche du dessus, c'est ça, et les autres couches c'est ça. Il faut faire plusieurs étages de désassemblage pour... Hein. Mais bon, nous on désassemble pas puisqu'on sait qu'on n'a qu'une seule couche. Ici on sait que dans le générateur on mettra qu'une seule couche. Si jamais c'était un générateur automatique, qu'on fait des gros copies, et qu'on veut être sûr de notre truc, bon, on rajoute quand même un désassembleur. Ok. Et on prendra que celui qui est là. Celui-là, on s'en moque. Donc si on se fait un... Alors, c'est la couche du dessus qui nous intéresse. Si on fait un QQ... Deux points. Donc si c'est à cette pièce-là, c'est la pièce du haut qu'on fait. Et donc c'est là c'est le haut et ça c'est le reste. Je crois que c'est ça. Hein. Si on rajoute un deuxième QQQ. Voilà, c'est ça. Il nous sort à gauche. À gauche, il nous sort toujours la pièce du dessus. Donc on va partir. Nous, on fait la pièce du dessus. Point barre. Le reste, on s'en occupe pas. Donc ça, on va le découper en morceaux. Bon, on peut quand même l'afficher hein, pour dire c'est bien celle-là qu'on fait. C'est valide. Et donc il faut la découper. Donc on va faire un découpage simulation de découpage. Ça c'est un demi-destructeur. Ah, il n'y a pas le découpage. Assemblage, peinture, générateur de cristaux. L'analyseur, c'est quoi? Ah oui, c'est ça. C'est l'analyseur qu'il faut utiliser. Et là, il doit nous donner le premier cadran. Donc après, on va lui faire faire une rotation. C'est ça, je me souviens maintenant. Donc on va simuler une rotation. Alors une rotation simple. Pour avoir le deuxième cadran, il faut lui faire faire une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. Simule la rotation d'une forme vers la droite. Donc, on l'analyse. À chaque fois, il faut repartir de la même forme, hein, sinon, ou alors, il faut faire une double rotation. Ou une triple.
Donc je vais recopier ça. Oh. Attends. Je voulais faire CTRL-C. Oui, alors donc comme c'est une rotation à droite, là il nous donne le cadran 1, là il nous donne le cadran 1. Si ça avait été le cadran 1, on aurait dû avoir l'aile, mais on a l'aile en troisième position, donc après avoir fait deux rotations. J'ai l'impression que ce qu'il donne, c'est le cadran en bas à droite. comment on peut savoir la formation là? L'analyseur. Utiliser tab. Point d'interrogation, table des connaissances, les câbles. Ouh. Ah, on peut les... Ah oui, on peut faire passer les câbles comme ça. Ça va être un sacré bazar, hein. Je pressens que ça va être un sacré bazar. Alors pour analyser les formes, on peut aussi également... faire des découpages comme ça, du coup. Ouais, et donc on n'a pas l'analyseur. Ah, il faut aller sur le Discord. Pop, pop, pop. La trad, elle est vraiment bien foutue, hein. Pour un accès anticipé. Ouais, donc ce qu'on va faire pour être sûr, donc on va balancer en premier cadran, ah ben un bleu, bleu, un rectangle blanc, une aile rouge et qu'est-ce qu'il y a, une étoile verte. Ah oui, le truc c'est que je regarde pas le nord. Ah ouais, je pense pas à ça. Donc, hein, on avait bien mis cercle, cercle bleu, carré blanc, aile rouge, pointe verte. Et donc il tourne bien, il tourne, quand il fait l'analyse et qu'on fait comme ça, il nous donne bien le cadran 1, le cadran 4, le cadran 3 et le cadran 2. C'était déjà comme ça dans Chapez 1. Hein. C'était déjà comme ça dans Chapez 1, donc on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. Ce qui fait que... Bon, une fois qu'on a sorti ce bazar-là, on va pouvoir utiliser ce signal-là pour faire la sélection du cadran 1. Alors on peut rester du coup en disant là on sort le cadran 1, là on sort le cadran 4, là on sort le cadran 3, là on sort le cadran 2. Ça jouera après pour les rotations. En fait. Hein, les pièces, on va les rotationner dans le bon sens tout de suite. Le cadran 1, il n'y a pas besoin de rotationner. Là, il faut juste faire donc une sélection de la pièce qu'on veut. Donc là, la sélection, la pièce qu'on veut, c'est un... Dans le cas présent, hein, on va utiliser ça, ça sera plus facile qu'une pièce uniforme et de la même couleur, où c'est pas forcément clair. Donc là, ce qu'on veut reconstituer, c'est un rond bleu. Faut que je fasse gaffe à la... Donc ça, on va le passer là. Hop, ça passe comme ça. Oh, c'est joli. Donc, on lui dit comme ça. Oui, ça fait joli comme ça. Donc on veut un demi-cercle bleu. Donc là, eh ben, il faut filtrer un quart de cercle bleu. Alors il est pas dans le bon sens.
Est-ce que ça va jouer? Parce que le truc là, ça serait que. Donc normalement, logiquement. Là, ça c'est pas bon, on le bloque. Alors il faudra en ramener un ici aussi, hein. Alors on a quatre entrées. Donc à chaque fois. Attends, il faudrait. Comment on va faire? Parce qu'il faut balancer les autres dans l'autre sens. Il faut que ça se croise. Ça va pas être évident, hein. Lui. On va le balancer là. Et lui. On va le balancer là. Donc il arrive ici. Il arrive ici. Quoique après, il faudra peut-être les séparer parce qu'après on va utiliser quoi? Les filtres? Contrôle des flous, il n'y a pas 36 trucs. Les vannes, on peut pas les utiliser là, donc c'est forcément le filtre. Ah si, on peut l'inverser. Si je veux le câble là. Ok. Donc lui, on le branche là. C'est pas la bonne forme. On n'en veut pas. Donc je pense il va falloir les écarter de deux. Oula, 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 et puis après on refusionnera tout de toute façon, hein. Donc suffit de faire comme ça, ils sont bloqués. Je monte genre des chiens. Est-ce qu'on peut, quand on est à ce niveau-là. Oh génial. Ah non, il veut pas. Ok. Bon, bah, ça va faire comme la peinture en fait. Il faut installer ça ici. Oui, on vire ça. Ah là 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 c'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd. Alors du coup le rond il passe pas. Mais il passe pas parce que c'est pas normal. Ah non, il est pas orienté dans le bon sens. Ah oui, parce que j'ai en fait j'ai pas mis dans le cadran 1, vu que j'étais pas dans le nord. Je les ai mis dans le cadran 4. Pourquoi tu ne prends que la première colonne à l'arrivée des formes? Ici, parce que ça va venir alimenter le deuxième cadran, ça va venir alimenter le troisième cadran, etc. quoi. Enfin, ça sera pour le deuxième, ça sera pour le troisième, ça sera pour le quatrième. Ça va être un choyeux micmac le truc, hein, je pense. La traversée des trucs va être rigolote, je pense.
Donc, il faut que je transforme mes pièces en me disant, là, bon, ben, j'ai détecté mon premier cadran, c'est bien ça, mais il faut que je le compare avec une pièce qui est dans le quatrième cadran. Donc, il faut que je lui fasse une simulation de rotation. Le problème, c'est comme c'est une simulation à droite, il me faudrait une rotation à gauche. Or, bon, ben, on va la faire ici parce que il en faut 3. Et voilà, la pièce passe. Donc on veut bien. Après, donc la pièce, il va falloir la réorienter dans le bon sens, puisque c'est une pièce qui est dans le cadran 1. Ici, elle est dans le cadran 4. Bon, ben, attends, je vais ramener. Pour qu'elle soit dans le cadran 4. Enfin, pour qu'elle soit dans le cadran 1, il faut qu'elle soit. Qu'elle ait une rotation à droite. Donc on va lui faire une petite rotation et puis ça va le faire. Et les autres vont être pareilles puisqu'elles sont toutes pareilles, hein. Ah non. Ah, j'ai fait un 180 degrés là. J'ai pas fait une rotation à droite. Ok. Donc voilà. Elle est en haut à droite. Dans cette orientation là. Donc c'est bien celle-là. Deuxième étape, faudra la peindre en bleu. Donc là, on aura une plateforme où on fera arriver de la peinture. Alors, il faudra peut-être une plateforme pour faire les mélanges. Parce qu'il y a normalement 7 peintures. Il y a le bleu, le rouge et le vert. Et les 3 autres. Enfin, il y a 6 peintures. Et plus la 7e, c'est on peint pas la pièce. Si on met des câbles à côté, ah oui, si on les tire, ils vont pas se toucher. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule couleur. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon. Ça va être pour analyser la deuxième forme. Et comme on veut comparer avec des pièces qui sont en haut à droite et que là elle est ici, eh ben, il va lui falloir lui faire faire une rotation. Ah bah triple aussi. Pour pouvoir sélectionner celle-là. Mais sur la deuxième rangée. Voyez le principe du truc. Donc, bah ici, on va avoir la même chose. C'est-à-dire ces pièces-là, on va pas s'embêter. On va les retirer ici. Si on est comme ça ici, et que là, on faisait du... hop. Donc ici c'est celle-là. Et ici... Ah. Hop. Le petit rond, il va passer ici. Hop, hop. Et le carré... Ah non, c'est pas ça. Ah non, je voulais pas faire ça. Ah oui, non, 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 c'est pas bon ça. Là ici c'est la deuxième qu'il faut faire passer. Donc c'est lui. Et là c'est pas. Ça sera le troisième et quatrième. Donc ça c'est pas ça. Hein. Ouh.
C'est-à-dire que pour la deuxième pièce, c'est celui-là qu'on prend. On le fait passer là. Et elle va là. C'est bien le petit rond sur le petit rond. Et pour l'autre, bah c'est pareil. Sauf que ça part ici. Hop, 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 hop. Tac. Et tac. Donc le petit carré, ça sera celui-là. Et on va le faire venir ici. Oups là. On le passe ici. Tac, 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 tac. On le redéchire. Et hop. Et là, on aura un relais filtre. Tac, 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 tac. Ici, il marche pas parce que il a pas été descendu le truc. Voilà. Quand il n'est pas branché, il bloque, hein. C'est pratique. Ça, on peut nettoyer tout le truc. Sinon, on balance dans une poubelle. C'est pratique aussi. Hop, comme ça vide. Ouais, Sébastien, je viens de le voir. Ouais, j'ai pas connecté mon fil à la quatrième plateforme. Ouais. Hop. Donc, on va faire ça. Pareil ici. Sauf qu'il va falloir amener. Donc, le troisième et le quatrième. On va les amener là. On va les faire passer au-dessus en deuxième étage. Et puis après, c'est tout. Et heureusement, parce qu'après. Parce qu'il y a les fils à faire passer après. Il y a le deuxième fil, mais il va y avoir le troisième et le quatrième fil à faire passer. Bon, tout ça, bon, on va arranger ça, tout ça. Donc, on va arrêter là, je vais partir goûter et on va faire du Minecraft. Donc, au lundi, on commencera à attaquer donc la peinture. On amènera de la peinture, de la couleur. On fera les mélanges. Et puis, il faudra sélectionner selon ce qui est demandé. Donc, le bleu, le vert, le rouge, le blanc, tout ça partira sur les plateformes pour sélectionner la bonne peinture. Avec les histoires de vannes, hein, ça va être le même système. On peinturera la pièce, ou pas. On aura une autre série de plateformes pour les assembler. Et puis ça, on aura fait notre machine universelle, une couche. C'est la plus simple, hein. C'est la plus simple. Après, les machines universelles, 2, 3, 4 couches. Avec des pièces complètes ou quasi complètes, c'est pas compliqué à faire. Le problème, c'est quand il y a les pièces qui sont à cheval. C'était ça le problème, hein. Sur Chapez 1, je pense que sur Chapez 2, ça sera le même. Pas le 1. À un moment donné, il va sortir une pièce impossible à faire. Alors, je crois qu'il y a des trucs supplémentaires, il y a des petites pastilles, il y a des trucs comme ça qui vont compliquer un peu les choses dans les pièces à assembler. Et Rana Templon dit ensuite pour chaque forme, il suffit de changer la plateforme carrée. Oui, après, quand on voudra une autre plateforme, il suffira de changer le générateur ici, si j'ai bien compris la question. C'est la bonne forme. Ouais, bon, on peut le brancher tout de suite en fait, hein. Là, on le branche ici. Donc ici, on le monte. On passe jusque là. On le descend. On le branche là. Ici. Ah non, attends. Faut le monter, le brancher ici. Monter, brancher ici. Et là, on a bien sélectionné la pointe. Donc il restera plus qu'à passer les trucs et amener les petits carrés et les petits ronds
Non, les petites ailes, les passer de l'autre côté pour refaire la sélection des trucs. Sachant que là, on va avoir de moins en moins de place, donc faudra peut-être descendre pour avoir un peu plus de place parce que bon, la sélection, elle est pas très grande, mais elle prend quand même un petit peu de place, quoi. Voilà. Alors en mode bien éclaté pour bien comprendre ce qu'on fait, hein. Pas du tout compressé et tout. Après on a de la place, on a des sous, hein. On a 5000 unités de plateforme. Et puis là après si on veut faire une deuxième couche, troisième couche, quatrième couche. Le truc après ça sera d'amener les trucs au bon endroit, quoi. Et puis qu'il y ait assez de flux pour quand il faudra donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. On est à 11 200 au niveau du palier 7. Ah oui, celle-là, on l'a pas faite. Bon, je la ferai peut-être. Ah oui, non, d'ici lundi, je pense pas que j'en referai. Donc, lundi, on continuera sur ce. Sur notre mu. Où elles sont les balises? Décoration. On change. Configurer. Mu 1. Je peux pas taper 1? Non, sérieux les gars. Oh. Bug. Bug. Est-ce que je peux mettre des tirés? Non, pas de tirés non plus. Ok, bon, bah c'est une mue, une couche. Oh, brun. Oh, c'est moche. Bon, c'est une muque. C'est une muque. Machine universelle, une couche. En franche. Bon, ben voilà. Allez, on sauvegarde. Pop. Votre partie a été bien sauvegardée. Donc, pour la rediff YouTube. Au revoir et à bientôt!